Bonjour tout le monde, c'est le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Visage live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Sans l'hôpital. Dr. Smith? Dr. Smith? Dr. Smith? Yes, sorry, I'm with you. Oui, pardon, je suis avec vous. J'ai les renseignements que vous avez demandé à propos du patient qui est arrivé ce soir. Il dit que quelqu'un s'est introduit par infraction chez lui, quelqu'un a essayé de l'étrangler et qu'il s'est servi de son âme pour tenter de se défendre, son âme. Ce qui est étrange, par contre, c'est qu'il ne s'est rien passé. Il y a un petit échymose sur son corps, mais elle est tout à l'air correcte. La police a également interrogé le voisin. La voisine qui a appelé la police, elle dit l'avoir vu tomber des lits de leur étagère, désespérément chercher quelque chose. Et qu'est-ce qu'il cherchait? C'est difficile à dire. Il refuse de répondre à la plupart de nos questions et affirme que nous connaissons déjà la plupart des réponses. Il pense que nous sommes en partie responsables de ce qui s'est passé et ce n'est pas vraiment surprenant. Également, j'ai jeté un œil aux antécédents médicaux. Il y a eu des très mauvais cas. Exactement. Merci, Tim. Je vais aller voir tout de suite. Merci, Tim. Je vais aller voir. Il sera dans une ordre dans la salle. Il a l'air agité. Soyez donc sous vos gardes. Merci, Tim. Bien noté. Appel aux employés de code de chambre 323, code blanc.
Dans sa chambre, non. Oui, oui. En 323. Sécurité, code blanc, code 323. Vous montez d'un étage. Il défend nous toucher, laissez-moi. J'ai pas vraiment le choix, monsieur. Agent secret, non, lâchez-moi, barrez-vous, putain. Non, lâchez-moi, s'il vous plaît, putain. C'est mieux avec un bon outil.
pas, c'est pas évident là. Bon. Quoi, quand elle est comme ça, espèce de saloperie de mes deux, je vais te fracasser la tête au sol. Qu'est-ce que tu viens de faire?
Transit et l'aile de... voyons. Sort d'où cette lumière-là, non? Oui. Du tabarnak. Rien. J'ai tombé d'un bug encore.
Attends, dans le nez. Je vais t'éclater, putain de tête. Oh, le transit, c'est pas ici, c'est plus loin. Une autre place. C'est pas ici. C'est à gauche. Ah, peut-être quelque chose comme ça. Tu as ruiné ma vie.
Il est là, je pense. Bon. Pas aller là. Moi, je peux aller par là, mais faut pas les toucher. Non, faut pas y aller, point. Thank you.
Faut être baissé. Mais un tabarnak. Je comprends rien. Yeah.
Non, ça va par là l'escalier. Il semble y avoir un problème avec le détecteur de poids. Nous essayons de remédier aussitôt au possible. Ou là, les employés devront prendre l'escalier du sous-sol pour y se rendre. Il y a une double clé au bureau d'émission.
Suivi du patient numéro 9 à la demande de Smith Walter. Notre patient Reckon Almutinava, sexe masculin, 28 ans. Maintenant que la première révélation de Reckon a été réalisée, on peut être certain qu'il va rester là pour de bons moments. J'ai réussi à faire parler sa paranoïa. Les patients croient que tout le scénario a été monté par une organisation maléfique afin de lui laver le cerveau et de la sujetir. Il pense que ses capacités mentales et que sa clairvoyance les ont empêchés de la voir. Et pour ajouter à la gravité de son cas, il est parfois victime d'hallucinations. Ces hallucinations, selon lui, impliquent des humanoïdes sans yeux qui se cessent de le surveiller où il se trouve. En raison de son comportement psychotique et de sa difficulté de distinguer la réalité pure et une invention paranoïque, il a été transféré dans un service psychiatrique. Il peut aussi être violent envers les personnels. Il est considéré comme un dangereux et devrait être placé sous sédatif et surveillance constante du service psychiatrique. Salut, Torchounet. Comment ça va, Torchounet? Admission, ici. Basement. Ouvrons le basement maintenant. Je comprends pas.
Je vois rien, tabarnak. On est sorti par là, mais on peut plus sortir, là. C'était tout pour le live du jeu Visage, live sur la chaîne Caribou Canadien. Oh yeah!